Bonjour la famille, c'est toujours moi Gilmas, nakati ya masolo ya bien. Lelo nangina bete la bino choc culturel oyo. Tokuta na kanango na mboka mupaya. Beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas que vous allez vraiment vivre vous-même dès que vous arrivez ici. Je suis au bord de la mer. Comme je vous ai toujours dit, j'habite au Canada, précisément dans la Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada, côté Pacifique, précisément dans la ville de Vancouver. Voici ici la ville de Vancouver qui m'entoure ici. Il y a l'eau partout, puisque le Canada, on dit, c'est plus de 50% des territoires, c'est l'eau. Ici, ça, c'est la mer, océan Pacifique. Alors, les chocs culturels, moi, si je vais vous parler des chocs culturels, na kolobe labino na ndenge na ngai, mes premières impressions, mikolo na yaki na komaki na nini na Canada pour la première fois. Choc culturel, eza, quand on parle de la culture, mingi tolobe laka, langue, eza makambo etali langue, makambo etali bilei, komakolia, habillement, makambo ananyo sonde eza kosala. Culture. Maintenant, il y a un choc culturel. Na Canada, na février, où il faisait moins 37 degrés à Toronto, dans la province, Ontario. Il faisait moins 37 degrés. Moi qui venais de la Côte d'Ivoire, et si quand température est là qui na 32 degrés. Tala na nous choque ya boy. Changement de fréquence tic tac. Alors awa na ngina lobela bino makambu choc culturel. Des fois ce qui boyoki moi makelele exemple bateau za beta ba sonnerie wana ba misu baza ko ya ba misu ba ye ko louer bokeye za kaka boy. Mais en tout cas eloka na kolobanano ya liboso eroza ko kita na aéroport. Et le choc qui a liboso est la langue, monoko ya mboka, la langue anglaise. Ozo qui t'en aéroport, toi tu es né, grandi, parler français, même peut-être pas un bon français, tu parlais le français avec vos langues maternelles, il y a le swahili, lingala, de telles choses, avec des langues traditionnelles augmentées dans ce que vous connaissez. Mais, comme un aéroport, tout, on y a ce qu'on a, ba papier, on y a ce qu'on a, anglais, français, mais mingi, rebaza ko solo là, est Eza anglais. Une chose qui est bien et qui est surprenante, qui est aussi très importante, capitale, les Canadiens sont vraiment généralement hospitaliers, gentils, tellement gentils. Mais c'est pas faux Canadiens, on est basé moi j'arrive. Mais les vrais Canadiens sont vraiment gentils. Ça, je peux vous confirmer ça. Yango, aéroport, choc à Liboso, Eza langue, monoko yamboka. Puisque tu es obligé de parler. Si tu es venu seul, tu ne connais personne, tu es obligé de parler. Soit on te cherche un interprète qui va essayer de translate tout ce que tu es en train de dire. Puisque tu dois parler avec les officiers de l'immigration. Ça, c'est le premier choc, vraiment le premier choc que moi j'ai connu à mes premiers jours ici au Canada. Autre chose que ça, ce qui aussi ici où on a tiré, tu rentres dans ta famille, tu retournes, tu vas à la maison. Premier choc culturel après que zonga koko mananini na ndaku, ozala culture ya kolia, ndenge batu baliaka, batu baza kolia faso oyo biso toliaka te. Ici au Canada, bilé na biso ya Congo, ya Afrique, Cameroun, nyonso ezalaka te. C'est toujours bilé na bango auto benga ka ba moi McDo ba NW ba DQ ba Burger King eza makambo ebele za la kana me bilé wana za la ka organique té eza bio té ce bilé wana nyoso za pona ngeza synthétique so kolongwa na Congo yo muto za ko lia biloko organique o sauté kotoyo o bandi ko lia synthétique eza choke mususu. Pona ba misusu c'est normal, mais pona nga ezala ki penda choke komona ete na bandi kolia biloko yo na kana kite. Et puis soki ozo okay si ko bandi komi luka yo moko kosala ba recherche yo moko, tu vas te retrouver que
banyama misuni o baza koteka ba barbecue baza koteka na ba na ba restaurant mingi mingi zalaka na sucre. Imaginez-vous toi qui mange tu manges la bouffe o ba chaka mungwa okomi kotoyo ba komi kolesa yo bile o ba tie sucre. Ba tie sucre pena sucre na kati ya musuni. Misuni za la sauce ba chaka pe ba chaka sucre. Soit ba tie miel soit ba tie sucre. Eza la soso, eza la ngulu, eza la ngombe, eza la ntaba. Tout omet du sucre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une culture qui est là. Mais de plus en plus, tu t'habitues, de plus en plus, tu aimes aussi la nourriture. Donc, ce que moi je peux dire aux gens, c'est de s'habituer à tout. Moi, ce que je faisais au début, quand je partais, je sortais, j'allais me promener. Si j'ai besoin de manger quelque chose, j'essayais toutes sortes de nourriture. Si je l'aime, si j'aime la nourriture, je vais commencer à l'acheter de temps en temps. Et si je ne l'aime pas, je change. Je ne me souciais pas qu'au baby sambongo pour na komeka biloko, puisque à un moment donné, on doit s'intégrer, on doit s'assumer. Puisque tu as changé le pays, donc tu vas changer tout, tu vas changer la façon de vivre, la façon de manger, la façon de voir les choses, la façon de parler, tout doit changer. Yangonde tolobaka, quand tu déménages d'un pays à un autre, tu deviens comme un enfant, puisque tu vas recommencer à zéro. Tu recommences tout à zéro. La langue, tu commences à zéro. Les amis, la famille, tout, même les études. Bashoke za ebele soki na bandi kolobela bashoke culturel bato akuta na kanango bokondimate. Par exemple na été soki oké na plage tozana ba plage ebele awa ezana des plages za spécifiques kala pona ba chamitakala okokende kuna olongoli bilamba ndenge opotikali ndenge obotama bokokuta kuna le papa les mamans qui ont et leurs enfants qui sont là, les grandes filles, même les grands garçons sont là à côté de leur maman nu. Et c'est normal, c'est permis comme ça, parce que c'était droit, liberté de choix, liberté d'expression. On fait ce qu'on veut. C'est ça la démocratie ici. Donc, ils ont une plage, 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 banane bazawana batu ebele bazabo. Donc c'est normal pour toi pona biso boto ko na tradition pe culture africaine. Ce n'est pas normal comme on a mama na yo azala ka na soutien na kaleso libanda oza comme on a pe c'est normal pona biso c'est tabou pona bango c'est normal et loko biso toza comme on a net tabou pona bango eza normal. C'est ça ba choc culturel o batu bakuta na kanango na bamboko oyo se bomoni mutu a changé a komi na ba comportement mususu. Ce n'est pas parce que a komi soki lolendo eza soki pendenge nini, c'est parce que il est en train d'apprendre et d'assumer d'autres responsabilités qui n'en avait pas. O komi na mboka mupaya, tu dois marcher. Si tu vas en Italie, va marche comme les Italiens. Tu es au Canada, marche comme les Canadiens. Somme er mutafani koto plus de 10 à 15 ans. Viva des mêmes choses. Bosse attendre que ceux qui azongi na Congo a vivre le kola ba congolais obran ba longwa te. Même si makambo za ko changer na ndenge ya ba na ba internet ba technologie za ko avancer, mais réalité za ko tika la réalité que on est peuple ceux qui mutoza ko au vivre place plus de 10 15 ans. Et différent à Moutouaza, quand il y a la télévision, c'est tout à fait différent. Aïe. Il y a des gens qui Canada, pendant que tu gentil, tu es gentil, tu es gentil, tu es sourire toujours. En tout cas, le choc culturel est belé. Il y a des gens qui ont été terrible. C'est tellement terrible en été. Si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui a maîtrisé, tu ne peux même pas sortir. Il y a des fois où ça c'est trop. Il y a des fois où vous allez dans des stations de bus là où on attend les autobus, place publique. Au moins on mutoyer à 8 mois et loko nae et kolo nae a tiwana azola la zone de l'autobus là tika a kaleso na soutien. O ko pe ki sa paye tes place publique pe et azana droit ko sala biloko wana. Mais c'est comme ça o ko changer paye ti. Oko sala paye et l'autre côté. So, na to solil pona makambo bilay. Bilay do awa to zaka na bilay na biso ya Afrique te. Soki okomi awa,
temps en France pour l'Europe est pembeni en Afrique. Mais nous qui sommes vraiment au coin, à la fin, vraiment la Koloba na fait du monde, tous en coin Pacifique et Penza. Pour nous qui sommes au Congo, ça me fait 20 heures d'état à vol. 20 heures d'état à vol. Donc il faut que nous Europe. Europe est à ce qui 6 heures d'état. Ce que nous avons à 3, mais en Europe, ce qui est à Londres, qui Vancouver, ils ont 12 heures d'état. Ce qui est à Danemark, nous avons 12 heures d'état à des vols, non-stop, 12 heures d'état. Si pourquoi tu as l'ouest, tu as des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des Chine, qui ont des Japon, qui ont 12 heures d'état, mais qui ont quand même. Mais dans le Congo, il faut que dans l'Europe, puis dans l'Europe, on s'est transféré en Afrique. Il y a un peu de moins jarre. Alors, culture et autres, on a ça que l'obéla. Makambouya, choc culturel. J'ai un peu de makambou miké, mais bino batoyo boye bipe makambou ebele. Ce que j'ai dit, c'est que moussousou, boche na sewana. Parce que makambou eze ebele. Ce que j'ai dit, makambou ya école. Au long de la Congo, obenga kam professeur na yo messier, citoyen, maître, professeur. Awa balobela baloba kango bongo te awa benga ka mutu na mutu na kombo na e professeur na yo so kombo na Mike ozobenga e Mike so kombo professeur na Isaac Johnson ozobenga Johnson okotia makambo ya ki messieté ezaka ka bongo mutu azako lia na classe professeur azako tangisa mutu azako lia makambo na classe na Congo tangu na ngai na zai kuna okosala biloko wana c'était impossible jamais okoko lia teacher azako dispenser cours na e tu vois il y a beaucoup de choses oyo. Donc, makambo ebele ozako ya eza choc culturel. Ezana makambo ebele ozoke na classe na ebandeli. Tamso batu nyoso bazako evite yo. Batu ozomona ke batu bazako ondire batu balingi yo te, ondire soki ndenge nini, mais en réalité tamso batu balingi yo me bazako yeba yo te. Ezana mutu mususu era aye na école. Alingi kolobiso muke, amoni ke anglais noza mwa mobulu, amoni ke zaneti kolekisata kozala nayo. Atiki akei na ye mais eloko za la kabie so kutane pesa na ba vrai canadien bango za la kabie so la moniko yebi munokote akolinga koyoka yo basolola ka nembangu mbangu avaso ki ayebite ko yebi munoka banda ko solola mais ero ko répondre la moniko za ko beta mabaku na masolo na maloba omona mutongo sika bandiko sala mwanyo so ayo ka soko lingi ko lobani na banda ko comprendre yo bazala donc mais pona yo ko sentir que et ça choque parce que osa obligé à kokachap na batuana façon ba solola ka façon ba memela ka makambu osa pe na école professeur a kozela yo te ozala oye ba anglais po bo kende na nzela moko yonde osa obligé ska osala moanyo so oye kola okoma na niveau ya batu misusu e koza otamusu ena deza po banda ko capter tamusu 40% makambu za koloba puisque bango eza muta botami akoli azaku continue ko vivre a loba anglais chaque jour mais biso ba kongolais tamso komi pe na pays anglophone communauté na yo déjà bango baloba ka pe anglais te baza ba tu aminoka mboka soit swahili soit français soit lingala so po kacha pe na anglais okoma na okaka muta ba retard puisque ta ya ko pratiquer anglais ozaku lekisango na communauté na yo ba biloko mike mike wana. Il faut comprendre la cause que yangonyo c'est créé ba clash ya nini ya ba culture et roza okoma na mboka mupaya ba école ekozala na blocage côté école parce que so pona ko étudier il faut ko yekola munoko clash côté comportement ya société façon ba toza ko vivre na façon oyo za ko vivre eza différent clash na côté kolia yo meseni kolia ba malewa. On me sent qu'on lia boy, au comme côté façon qu'on lia, ils ont des musus, façon basa qu'on servir yo, ils ont des musus. Donc, bah ma camo amiké mi konan den angai kanal obela, kola kisabino que chaque mbo kesa na façon nango, mais mutu oyo bande ko nanga oba, senga kinga pe vidéo oyo nael solo la nael na solo na bango ko sena ba choc culturel. En tout cas, je pense que vidéo oyo ko se pe sabino, bah oya sika. Bon s'abonner na chaîne Oya Chronique du Net TV et sa place ya masolo ya boye ko banda ko leka tamso de temps à temps ba oyo ba meseninga na ndenge ya musique ko sala ba chronique musicale à un moment donné na ko solo ba pardon mingi parce que za des fois où il faut ko pona qu'est-ce qui est plus important na vie ya mutu ko sala vidéo ya polémique soit ko sala vidéo ya motivation
vidéo, il y a motivation, il y a éducation, nini nde bozo mona ki za n'importance. Ponanga pour le moment vidéo o za n'importance mingi za ba vidéo ya motivation na komo sala ba vidéo o za ko pesa ba to courage pe a ko affronter vie na na ba pays misusu. Alors to on est là, je vous aime trop. À la prochaine. Et bye. Having fun, eh?